Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Content de me présenter chez vous aujourd'hui dans cette nouvelle rubrique. C'est une rubrique de formation. Je dis bien une rubrique de formation. Ce que je vais présenter pour vous dans le cadre de cette formation, c'est une formation en homilétique, j'ai bien dit homilétique, H-O-M-I-L-E, accent aigu, T-I-Q-U-E. L'homilétique, nous n'allons pas le définir maintenant, mais c'est un ensemble de techniques et permettant de préparer un message biblique. J'ai bien dit un message biblique. Alors, public cible de cette formation, c'est particulièrement des étudiants en théologie, vu que moi aussi j'ai été étudiant, je suis professeur et j'enseigne encore. Et j'enseigne à une université en ligne. Alors, donc, je me sentais, en fait, à partir d'un constat et que j'ai fait, et m'imaginer tout le monde qui avisait, tant que moi-même, il fait constat tout, avec un ensemble de prédicateurs ou de soi-disant prédicateurs qui sont légion sur les réseaux sociaux et qui sont aussi des vedettes, des stars, et qui disent à prêcher. Mais quelquefois, l'homme prend temps pour m'attendre genre de prédication, ça, yo. Des fois, c'est avec tristesse, m'a demandé, moi, qui ça, moun ça, Abdila? Est-ce que c'est prêcher la prêcher ou est-ce que c'est voyer la voyer monter? Bon, la réponse est claire. Ce sont des gens qui voyaient monter, mais qui érigeaient tête en prédicateur. Et vous connaissez, c'est eux-mêmes qui sont populaires et de nos jours. Pour qui ça est populaire? Parce que tout simplement, ils ont fait mon parce que yo gen aura, yo gen capacité de persuasion, yo kon bay belle blague, yo kon comment pour yo forger yon sorte de témoignage et qui pour bay sens à sa audia. Mais lor considérer texte yo gen devant yo avec sa yabdia, pas gagné aucune corrélation, pas gagné pas gain aucun lien entre yo et c'était avec tristesse qu'on le m'attendait en soi-disant prédicateur était invité dans une conférence en l'air et puis Negranik prend texte là verset que Oba lit comme texte de base là l'île après ça du début à la fin m'a demandé côté message là Bawel. Donc, c'est vrai que tu es grand pile monde qui dit qu'après les amoués, qui dit bayo, mais pauvres ces gens qui pas même et comprennent que ce sont des manipulateurs qui a dit ça yo envie tendez mais qui pas rien à voir avec le message de la parole de Dieu. D'ailleurs, le prédicateur a comme responsabilité de présenter le message. Et le message, en réalité, c'est le message du royaume. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, le message, c'est le message du royaume que nous sommes appelés à prêcher
Mais aujourd'hui, ou jwenn plus moun k ap voye monte au lieu que y a prêché. Et c'est dans cette optique, moi connais gen pile moun qui gen souci de bien faire. Alors, moi pas présenter moi comme yon spécialiste, yon expert dans l'art de la préparation d'un message, même pour le partager avec nous quelques connaissances en tant que moun qui a visé et moun qui vraiment gen problème avec ça m'attendait jodi a nan bouche on série de nèg qui rele tèt yo apôtre, prophète, pasteur, évangéliste qui ap rablabla et puis yo di se prêcher ap prêcher. Donc, m'espérer que à formation ça li ap aidé ou n ap mande ou pour préparer caillou, préparer crayon, préparer plumeau, préparer bibou parce que n ap gen pour ouvrir la Bible tout dans formation ça. Nous pas capable de penser yo comment pour préparer un message biblique et puis pour ne pas gagner et source principale de référence nous qui est la Bible. Donc, je vous souhaite déjà la bienvenue et nous allons passer à la présentation du plan du cours. Aujourd'hui, c'est le plan du cours que je vais vous présenter. Ce n'est pas encore l'introduction du cours, mais je vous présente le cours et le plan du cours. Qu'est-ce que nous allons voir dans ce cours? Donc, passons à la présentation de la formation. En fait, le cours s'appelle Cahier d'homilétique. Cahier d'homilétique. Dans ce cahier d'homilétique que nous pourrons ouvrir pour nous-mêmes, c'est un ensemble de techniques que nous pourrons partager ensemble avec vous. Même si c'est technique écrit au singulier, mais nous sommes capables de mettre li au pluriel parce que nous disons c'est un ensemble de techniques dans la préparation d'un message biblique. On va souligner que message est en majuscule parce que message que nous avons véhiculé, moi te dis déjà, c'est pas un n'importe message, c'est pas du rablabla, c'est pas du voyer-monter. N'a prêché le message du royaume, c'est-à-dire moun ki ap tande nou, yo dwe tande sa yo dwe tande. C'est pas ça que nous envie di yo, ni c'est pas ça que yo même yo envie tande, mais c'est ça que le Seigneur mandé que nous dwe di yo. Pour yo capable al nan ciel, pour nan yo capable changer, pour la vie yo capable changer, pour vie yo capable transformer. Et lorsque nous va venir prêcher message ça, c'est pas message là en soi pour transformer vie yo, non, mais c'est le quand yo recevoir message là et yo accepter message là et le Saint-Esprit lui-même li pral fait travail de transformation. Mais nous même responsabilité nous c'est de prêcher. Apôtre Paul te dit à prêcher pour lui, la prédication c'est un ministère et c'est un engagement et malheur à lui-même s'il pas prêcher la parole. Il était enseigné à Timothée, il dit il prêche la parole en toute occasion favorable ou non. Donc aujourd'hui message que nous attendons. Ces messages qui pour sucrer cœur, ces messages qui pour permettre que moun plus cherche miracle, moun ap cherche c'est des messages de manipulation théologique. Donc c'est pas des messages bibliques. Donc l'information ça nous pral montrer comment pour capable préparer un message biblique. Et c'est ça que nous allons partager avec vous. Le plan du cours, c'est quoi? Nous allons mapper, retourner dans slide ensemble avec vous. Le plan du cours, c'est quoi? Le plan du cours, c'est toute série
et de points que nous pourrons ouais dans message là plutôt dans formation ouais ben, message dans formation hein. C'est tout un ensemble de c'est tout ça que nous pourrons ouais dans formation hein. Et premier bagage que nous pourrons ouais et avec vous dans formation hein, c'est introduire nous pourrons introduire cours là pour même donc dans l'introduction de cette formation de ce cours dans le cahier. Nous pourrons introduire dans l'introduction, nous pourrons aussi garder ça relé, nous pourrons faire la différence pour même entre ça relé sujet de message, thème de message et titre de message. Vous pourrez remarquer, mes frères et sœurs, mes chers amis, étudiants, étudiantes, il y a pile monde qui parfait malgré que yo relé yo des grands prédicateurs, oui, de grands prédicateurs, des vedettes de la prédication, des stars de la prédication. C'est des nègres qui a invité tout côté sur toute tribune, il a fait show off, mais yo pas même qu'a fait la différence entre le sujet, le thème et le titre. Donc, dans l'introduction, nous pourrons essayer à garder pour qui ça qui sujet, qui ça qui leur capable dit sujet, qui leur capable dit thème et qui leur capable dit titre. Nous avons gardé qui ça y est d'abord et qui côté on doit placer yo, parce que yo chaque gain place yo. Maintenant, dans la deuxième présentation, nous pourrons définir pour homilétique. Mais lorsque nous pourrons définir homilétique pour nous-mêmes, nous pourrons garder aussi l'herméneutique. Ou ouais, terminer même genre, mais ou pas commencer même genre. Ou bien homilétique, ou bien herméneutique. En réalité, les deux. Dans la préparation d'un message, ils marchaient ensemble. Donc, est-ce qu'on connaît un prédicateur, malheureusement, qui n'est pas même capable de faire la différence entre sa homilétique et herméneutique? Et qui n'est pas même capable de faire un bon homilétique? Parce que pour gagner un bon homilétique, il faut qu'on gagne un bon herméneutique. Faut que le travail d'herméneutique les bon pour qu'on capable gagner un bon homilétique. Nous pral définir thème ça yo pour et nous pral montrer ou comment yon utile à l'autre dans yon utile à l'autre dans la préparation d'un message. Troisième présentation, nous pral regarder les caractéristiques du prédicateur. Donc, c'est pas tout le monde qui est les têtes au prédicateur et puis qui c'est des prédicateurs vrais. Gagné, ça relève l'appel du prédicateur. On va regarder les caractéristiques de l'appel du prédicateur, mais on va aussi regarder les qualités que doivent avoir les prédicateurs, ceux qui se disent prédicateurs ou prédicatrices. Nous pourrons regarder tout ça dans le point 3. Bien entendu, et nous avons fait en sorte que le cours n'a pas duré plus que 30 minutes parce que nous pas voulu ou même ou capable de faire d'autres recherches pour capable développer plus chaque point ça à partir de ça que nous pourrons présenter. Dans le point 4, nous pourrons définir pour les différents types de sermons. Donc là encore, il y a un exemple qui serait les têtes des prêcheurs, des prédicateurs. Il a fini de prêcher un message là et pour pourrons relayer à part, pour dire, bon, frère, qui type de prédication qu'on se développe là? La bébé, parce que le pas même compte ça, il pas même compte si ça existait type de sermon. Hein? Il pas même compte si terme ça li existait. Donc voir pour le temps qu'on est qui ça se dit. Pour qui ça le pas connaît, li pas connaît ça, c'est tout simplement
parce que message yo pas préparé nèg là quand même les juste yo bal yon sujet ou bien yo bal yon thème et puis yo pas bal titre et en prédicateur yo pas bon un titre là c'est ou vin avec et nous va voir ça plus tard parce que m'pa vle développer trop mais y a bon soit un sujet ou bien un thème donc c'est dans sujet a ou pral tirer thème là et ainsi de suite. Donc, lorsque le prédicateur arrive sur chair là, ou bien dans salaire les préparer message là, va dire m'va préparer message. Mais préparer message là, il pas même connaît comment il doit commencer, comment il doit aller chercher si son sujet au bali, comment pour aller chercher un thème dans sujet là, parce que thème là au bawa les plus sujet au bawa les plus large. Donc c'est dans sujet à pour aller chercher thème à partir de texte que au bawa. Donc li pas même connaît qui genre d'exercice qui exercice qu'elle doit faire pour le capable arriver là voir pour ta connaît qui type de sermon à partir de thème que le pral développer à qui type ou à partir de texte et texte que balia qui type de sermon que li pral développer. Donc il y a différents types de sermons généralement et il y a pile l'école qui enseignait trois types et n'a regardé trois types ça yo que l'école yo enseignait et dans la mesure du possible essayer et garder pour quelques autres types dans la mesure du possible. Cependant, nous pourrons regarder les trois types que l'école yo généralement yo enseigné yo. Dans le cinquième point, nous pourrons regarder différentes parties d'un sermon. Là, un sermon est capable et beau et bien sembler à une dissertation, mais en réalité, ce n'est pas une dissertation. Dans une dissertation, nous trouvons l'introduction, une introduction, un développement et une conclusion. Cependant, dans un sermon, il n'y a pas que trois ces parties, il n'y a pas que trois parties. Il y a les transitions aussi qu'il faut prendre en compte parce que il n'y a pas dans le corps du sermon. Il y a les grandes divisions, il y a des subdivisions, il y a des sous-divisions. Donc, tout dépend de qui format sermon a développé. Quand nous parlons de format, nous parlons surtout de structure architecturale et d'un sermon parce qu'on construit un sermon. Dans la préparation d'un sermon, on construit un sermon. Quand on construit un sermon, il y a ces trois qui marchent ensemble. Le point 4 qui est type de sermon que on pral prêcher à. Il y a les différentes parties du sermon et comment on pral météo. Il y a la structure, c'est-à-dire la forme et du sermon. Qui ça pral avant, qui ça pral après, comment on pral lier tout ensemble à partir de en transition. Et puis dans forme sermon. Il y a aussi la stratégie de développement. Est-ce que son stratégie, son format cravate ou est-ce que son format à refrain, etc. Donc, tout ça, il faut comprendre cette structure, le point 4, le point 5, le point 6, pour comprendre c'est quoi. Et un sermon, comment un sermon les structurer. Donc, c'est toute une science et un art. Et c'est pour cela l'homilétique les définit comme étant une science et l'art de la présentation d'un message biblique. Donc, moins anticipé pour moins capable porter définition ça. Pour même, mais nous verrons de façon large quand nous serons dans le point 2. Et en dernier lieu, nous allons conclure. La conclusion, nous allons faire quelques exercices, nous allons faire quelques études de textes, venir avec quelques textes de sermons
Et puis, nous allons essayer de déterminer différents types, qui type de serment que lié, différentes parties dans le serment, qui ça qui est capable de considérer comme une grande division ou qui est capable de considérer comme une petite division, en subdivision du serment. Et malheureusement, que le prédicateur n'a pas pris le temps pour regarder ça, pour le faire ça, n'a pas regardé conclusion, n'a pas regardé qui ça, non introduction, qui ça qui gagne les différentes parties de l'introduction, et les différentes parties de la conclusion, et les différentes parties du corps du sermon. Donc, c'est ça en gros et plan cours là lié. Et nous allons regarder ça ensemble dans la mesure du possible. Qu'est-ce que ça va faire pour nous? Pour montrer nous qu'on est intéressé avec quoi? Dans la présentation ça que nous faisons pour vous, vous abonner, vous liker et vous partager avec dans tout réseau, dans toute plateforme. Et c'est comme ça qu'on va encourager nous, vous montrer nous qu'on est intéressé avec formation ça. Et là, ça, on prend le temps pour nous préparer pour nous-mêmes et de façon nous, pour faire cœur content. Bien entendu, nous présentons 7 points ça, yo, mais ça se pourrait que nous venions avec d'autres idées dans cette présentation. Non, moi, c'est Jean-David Pierre, lui. Moi, c'est pasteur à l'Église évangélique du Renouveau, qui est situé au 3000 boulevard des Laurentides, suite 17, au niveau de Vimont à Laval. Bien entendu, moi pas un expert dans la préparation de messages. Cependant, moi voulais juste partager avec vous petite connaissance que nous gagnons parce que faut pas égoïste et moi-même bah on est qui j'aime égoïste moi j'aime partager donc m'espérer que ou même tout on va partager à formation ça sur tout réseau yo. Pas oublier abonner à chaîne pas oublier mettre un petit like pas oublier mettre un commentaire si possible pour dire nous comment recevoir formation ça et c'est avec plaisir que nous pourrons le présenter au lit. Et si jamais ou t'as voulu ou pas gon l'église pour persévérer et ou t'as habité Laval ou dans les environs, donc c'est avec plaisir que l'Église évangélique du Renouveau a accueilli ou et pour capable rentrer dans la famille ça. Que bon Dieu bénisse vous et nous souhaitons, si c'est week-end, vous pouvez écouter ça, un bon week-end, si sinon, une bonne semaine ou une bonne soirée, tout dépend, ou une bonne journée, tout dépend de l'heure que vous pouvez écouter à rubrique ça et formation ça que nous proposons et dans le jour qui va venir là. Nous faisons en sorte que au moins chaque semaine, nous présentons un point. Et nous espérons que il va édifier vous, il va aider vous, ou même qui est des prédicateurs en devenir et qui après formation, il va aider vous dans devoir s'il le faut. Donc, que bon Dieu bénisse, à la prochaine et pas oublier d'abonner. Au revoir.